Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Eh bien écoutez, moi ça va, dans mon dos, je me suis fait faire l'infiltration. Certainement quand vous verrez cette vidéo, j'aurai certainement fait la deuxième. Bon voilà, ça fait mal sur le moment, en quelques jours. J'ai le dos exactement comme avant. Mais j'espère que c'est une solution et qu'on va trouver, que ça va m'enlever le mal. Voilà. Maintenant que j'ai parlé de ma vie, je vous présente mon haul Action. Alors oui, je me suis laissée tenter, évidemment, comme tout le monde au final. Alors que je vous avais dit que voilà, j'allais passer un cap le jour où j'achetais un sac Action. Et bien voilà, ça y est, ce cap est passé. Donc oui, il était joli, c'est celui de Noël. Donc du coup, j'ai dit ouais, allez, prenons le sac. Donc voilà, j'ai acheté le sac. Ensuite, donc je vais aller dans le vif du sujet parce que là, mon dernier craquage, je l'ai fait avec mon mari. Puisqu'on est là aussi, nous avions des rendez-vous médicaux à cet endroit-là. Et donc du coup nous avons fait plusieurs actions et du coup il y en a y a pas mal de choses. Donc tout d'abord deux rouleaux de papier cadeau. Donc de 70 par 300, donc 70 cm par 3 mètres. Donc c'est vous voyez de ma couleur. Non parce que je vous dise. Mon mari m'offre des cadeaux, mais les trois quarts du temps, c'est moi qui les emballe. Donc du coup, j'ai dit, j'ai trouvé celui-là, je me suis dit, ça tombera très bien pour emballer mes cadeaux. Voilà. Si vous entendez une petite voix derrière, c'est... Pardon, je m'étouffe. C'est rien, c'est ma fille. Et justement, tiens, puisque je parle d'elle, j'ai trouvé donc un papier cadeau donc, de Disney. C'est la Reine des Neiges, donc j'ai dit pour emballer ces petits cadeaux. Voilà, vous voyez, c'est Anna et là il y a Elsa. Je trouvais sympa, donc là aussi je pense... Ah non, 2 mètres par 70. Il y en a un peu moins, n'est-ce pas? De toute façon, il me faudra d'autres rouleaux pour emballer ces cadeaux. Donc, je ne fais pas de soucis. Ensuite, alors elle est déjà déballée parce qu'elle est déjà mise. Une guirlande, alors il marque qu'on peut la mettre à l'intérieur aussi. Indoor et outdoor. Donc intérieur, extérieur. Excusez-moi pour mon anglais, mais enfin. Donc c'est des lumières en forme de glaçon. Donc, vous voyez, en forme de stalactite, là, les zigzags, ça descend. Et donc elle fait 7,10 m. Et voilà, donc très très bien. J'en avais acheté une en promo et l'autre je l'ai acheté parce qu'en fait notre maison est trop grande. Excusez-moi. En longueur et donc du coup il en faut deux quasiment. À un moment donné ça va se chevaucher juste au-dessus de notre porte d'entrée. Donc c'est très bien. Ça sera super lumineux juste au-dessus. C'est nickel chrome. Voilà, voilà. Bon, je vais continuer parce qu'avec tout ce que j'ai, on va jamais s'en sortir. Ensuite, on a trouvé avec mon mari cette petite guirlande pour... alors, il y a marqué Happy Birthday, donc de différentes couleurs. Et c'est donc une guirlande à LED. Il y en a 13 LED. Et donc, c'est pour l'anniversaire de la pépette. Et donc, je me suis trouvé à Action ces deux petites maisonnettes. Enfin, ça, c'est une église à LED. Vous voyez, ça change de couleur, logiquement. Voilà. Donc là, c'est l'église. Et là, c'est une petite maisonnette. Payez ça 1 € et quelques. De toute façon, comme d'habitude, je vous inscrirai les prix là. Ne vous inquiétez pas. Voilà, voilà. Il s'est pris, mon mari, des Milka Nucini à noix de coco et chocolat blanc. Il y en a 5 dedans. Et ça fait 200 grammes. Voilà, donc de la marque Milka. Ça n'a pas l'air mauvais, je ne sais pas. À voir. La pupette va être contente. Ensuite, alors ça c'est pas, j'en ai acheté deux comme ceci, une pour moi
parce que les miens commencent à fatiguer. Et une pour mon papa, parce qu'il a dit « Oh, ils sont bien et tout. » Alors, pour le prix, hein, voilà. Donc, c'est un lot de 12 feutres, là, fine liner. Donc, à pointe fine, et ils sont très, très, très bien. C'est dommage, dans le premier paquet, l'orange avait séché. Donc, je n'avais jamais pu me servir du orange. Et là, que je l'ai racheté pour mon carnet de mandala, là, je me suis éclatée. J'en ai fait un quasiment rien qu'orange. Nickel. Une assiette, une grande assiette, donc à pizza. Donc il y a marqué bon appétit, là il y a un pizzaiolo. Voilà, et donc dans les tons, ben, rouge et vert, voilà. Il n'y a pas de diamètre, mais voilà. Bonne pizza, il rentre facilement. J'ai pris parce que j'avais jamais vu qu'ils étaient aussi rien que ben, les couleurs normales quoi, bleu, noir, rouge et vert. Donc je les ai pris parce que voilà, c'est des couleurs que j'utilise quand même pas mal justement pour mes mandalas. Et c'est très très bien du coup, parce que là il y en a 4 de bleu, 4 de noir, 2 de rouge et 2 de vert. Nickel. Donc le même que les autres. Pile AA de Panasonic, voilà, il y en a 10, elles sont très bien, on les utilise pour les guirlandes d'action, pour les jouets de la petite, voilà. On a acheté, alors je ne sais plus ça du tout le prix, vraiment pas cher, des plats comme ceci, là, argentés, donc en aluminium, mais rien de farfelu quoi. 43 cm. Donc il y en a deux par sachet. J'en ai pris deux. C'est pour. Parce que mon mari et moi nous occupons de l'apéritif du 25 chez mes parents. Et donc du coup j'ai dit ça sera plus facile à mettre les toasts plutôt que des petites assiettes à en amener 50 000. Là on filme tout ça dans la voiture et on les amène chez mes parents. Donc mon mari a pris ça pour notre fille. C'est des Milka Sensation Choco Inside. Ouais, et avec donc fourré au chocolat, il y en a 156 grammes. Je pense qu'il y en a 8 dedans. Pas ça. J'ai voulu tester la King Coconut Water. Voilà. Donc en bouteille comme ceci de 330 ml. Je n'ai pas encore goûté, je vous dirai. Ça va jusqu'au 19 décembre 2017. Donc, j'ai largement le temps de la boire. Ensuite, j'ai repris des lingettes pour la pépette. Celles-ci sentent très très bonnes, donc de la marque Teddy Care. Il y en a 90 dedans. Donc c'est les jaunes. Moi, je trouve qu'elles sentent meilleures, et mon mari aussi, que les verres d'eau, justement, la couleur vert d'eau bleu, là, voilà. Parce que j'aurais pas assez de place. On a repris de la marque Cura, je ne sais pas, ce petit spray là. Donc c'est un nettoyant ménager, il est génial. C'est la troisième fois qu'on en reprend, il est tip top, sauf que là il a coulé. Et il fait donc 750 ml, il est vraiment tip top les filles. Allez-y, franchement pour les surfaces et tout ça, c'est vraiment nickel. Ensuite, je me suis retrouvée, parce que je l'avais trouvé en blanc. Et en gris, c'était pas tout à fait le même. Je vous l'avais présenté, mais c'était pas tout à fait la même chose. Là, par contre, c'est exactement la même chose. Donc, ce sont des petites brassières, comme ceci. Très, très, très confortables. Franchement, là, je mets la blanche quasiment toutes les nuits pour soutenir. Je trouve que c'est quand même mieux. Et j'y suis, mais super à l'aise. Elle ne serre pas. Elle épouse bien la forme de la poitrine, du corps et tout. Nickel. Donc, je me la suis donc prise en noir et en chair, couleur chair. Donc là, moi, j'ai pris la taille LXL parce qu'avec ma poitrine, je suis bien obligée. Mais franchement, allez-y les filles. Elles sont très, très bien. Elles sont à 2,49€ si mes souvenirs sont bons. Mais comme je vous dis, les prix dans la vidéo. Ensuite, j'ai retrouvé de méga color, j'en avais déjà pris deux. D'ailleurs, il a pris l'eau malheureusement, mais bon, il va sécher, je ne me fais pas trop de soucis. Donc, méga color, donc avec stickers, des livres de coloriage, quoi. Avec donc sur Mini, enfin Mini et Donald, Mickey, enfin voilà.
Et sur Aristocha, Jumbo, Bambi, enfin plusieurs belles, Pinocchio. Donc voilà, j'ai trouvé ça vraiment super mignon une fois de plus. Voilà, j'avais commencé la collection, je la finis. J'ai repris pour mes activités, mes loisirs et tout ça, créatif, du ruban adhésif, donc du ruban de montage, 4 mètres sur 18 mm. Il est tip top celui-là aussi. Mais franchement, je l'adore. Là, pour toutes les décos de Noël et tout que j'ai faites, j'ai utilisé ça. Et c'est vraiment le top. J'en suis vraiment contente. Ensuite, pour... Hop, on a trouvé ça pour la pépette. J'en avais pris un, c'était les légumes. Il me semble bien. Oui, c'est ça. D'accord. C'est rien, c'est la boîte. Parce qu'en fait, on a acheté aussi une boîte. Donc là, cette fois-ci, on a retrouvé les autres, en fait. Donc là, c'est la pizza, enfin, la malbouffe, quoi. Brioche, glace et tout ça. Donc il y a 20 pièces, c'est de la marque Food Play 7. Donc comme on lui avait pris un set, on a dit, ah allez c'est bon, ça je sais le prix, 2,99€, en plus pour soit Noël, soit pour son anniversaire. Donc là, c'est McDo, quoi. Enfin c'est une carotte quand même, ça va. Oui, enfin, c'est pour faire un hamburger, il y a le hot dog, voilà. Toujours pareil, il y a 20 pièces dedans. Et vous savez, ça, c'est les aliments qui se scratchent et quand on y va avec un faux couteau, pouf, ça se défait. Donc ça, c'est vrai que j'aime bien ces systèmes-là. Et enfin, donc elle avait les légumes et là, on lui a pris les fruits, vous voyez, avec le couteau. Et vous voyez que déjà, ils sont tranchés, là, comme ça. Voilà. On a trouvé ça super bien. Même. Ils ne sont pas tous tranchés, par contre. Bien sûr. On lui a pris un petit coffret, elle adore, voilà, c'est une fifille, elle adore les parfums. Et du coup, là maintenant ça lui fait le 5e, 5 parfums fifille. Et donc il y a un petit gel douche aussi de ce coffret, j'ai trouvé ça super mignon. C'est un peu style la Reine des Neiges, sauf que là ça s'appelle Snow Queen. Vous voyez le genre quoi. Voilà. Super mignon. Et j'ai pris de la marque Le Chat, Duobulle l'Expert. Donc en fait il y en a trois. Là aussi je connais le prix, c'est 68 centimes. J'ai dit je vais tester pour 68 centimes. Il y en a trois. Ça fait trois lavages. On va bien voir. Voilà. Vous voyez. Alors il y a différents coloris de trucs. Ça s'ouvre. Je sais pas si je vais y arriver. Comme ceci. Voilà. Et l'autre bâton aussi. Aïe. Aou. Ça n'est rien, c'est pas grave. Bon, je vais montrer ce que j'ai devant. Alors, j'ai pris. Alors, c'est pas pour moi, c'est pour ma maman qui m'a demandé un gel douche. Donc, j'ai pris Hair Care. Donc, ça fait cheveux et corps, Hair Body, de la marque Egron. Donc, c'est pour hommes, c'est à l'eucalyptus. Il sent bon. Il y a 400 ml. Voilà. Mais il était à moins de nom. Ensuite, j'ai trouvé au rayon coloriage, enfin, loisir créatif, ce petit livre, comme ceci. Voilà. Donc, il est pratique, il peut s'emporter voilà, dans le sac à main. Hein. Et comme mon papa avait l'air de trouver ça sympa, mais du coup, je lui en ai pris un pour lui aussi. Voilà. Je me suis pris pour faire les cartes, puisque là il faut vraiment que... Enfin je pense qu'à l'heure où j'aurai mis la vidéo, les cartes seront faites. Du moins vraiment bien commencées. Et du coup j'avais pas... à chaque fois j'y pensais pas. Et donc j'ai pris de la mousse donc 3D. Des pads, des self-adhésifs comme une marque. Là c'est de la marque Craft Sensation. Donc il y en a 18 en A5. Ce sont des cartes de fond texturées métalliques. Alors, il y a différentes couleurs, comme vous pouvez le voir. Voilà. Et donc, il y en a 18. Et j'ai pris d'une autre teinte aussi. Voilà, comme ceci. Il y a toutes ces teintes. Voilà. Alors, ensuite. Parce que là, c'est vraiment un vrac, mais... J'ai pris des rubans. Donc, 3 rubans de 6 mètres sur 9 mm.
Donc de ces couleurs là, je trouvais ça très 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 joli. Voilà, ils sont très très beaux. Celui-ci, alors là, celui-là il est juste magnifique. Donc il est vert d'eau avec des petites étoiles noires. Magnifique. Il fait 6 mètres celui-ci. J'ai pris celui-ci. Donc avec des effets un peu flèches, quoi. Vous voyez ? Donc vert d'eau et bleu turquoise. Celui-ci fait 10 mètres. On augmente. Petit à petit. Celui-là était au rayon Noël. Voilà, donc vous voyez, vert d'eau et blanc. Très très beau. Il est vraiment très beau celui-là. Celui-là, il n'y a pas marqué la longueur. Désolée, je ne peux pas vous le dire. J'ai pris. Alors il est un peu froissé comme ça, je pense que ça, après il se détendra. Celui-ci. Donc très joli aussi, dans mes tons aussi, mais avec un petit peu de jaune et orangé. Voilà. Très très beau. J'en ai pris du washing tape. Alors j'ai pris celui-ci, donc 4 par 3. Alors il y en a un de 6 mm. Ah non, il y en a 4 de 3 mètres. Plaisant. Donc il y en a un de 6 mm, celui-ci avec les petits cœurs rouges. Ensuite là il y a marqué love, donc rouge, et love en blanc. Là c'est à rayures, fine rayure rouge. Et après là c'est des petits papillons. Washi tape, tout simple. Voilà. J'ai pris celui-ci, donc il y en a 3, donc de la même taille. 3 mètres, donc 15 mm. Voilà. Donc une rose. Là il est jaune. Et là, il est bleu canard avec des formes, des lignes jaunes et des points blancs et roses. J'ai pris celui-ci, donc là c'est, il y en a 7 de 3 mètres et ils sont de 6 mm chacun. Voilà, toutes les couleurs qu'il y a. Et après j'ai pris le design tape, il y en a 3 de 15 mm sur 3. Voilà, donc de ces couleurs là, très très jolies. Et pailleté, très très beau aussi. Voilà, je ne sais pas si j'en ai pas encore, mais là je ne les vois plus. J'ai trouvé celui-ci que je n'avais pas. Enfin, il y en a d'autres que je n'ai pas, mais qui ne me plaisent pas plus que ça. Mais ces tons-là, j'aimais bien. Ton lavande un peu. Voilà. Donc, vous savez, c'est les 12 feuilles là, avec pour faire des cartes en 3D et tout ça. Voilà. Nickel, nickel. Je me suis retrouvée, parce qu'il me semble que celui-là je l'avais déjà pris, mais il me plaît tellement que je l'ai repris. Donc c'est le Travel Memories, donc 15 par 15. Il est très très bien, j'aime beaucoup, notamment cette feuille, j'aime bien celle-ci. J'ai repris celui-ci, voilà. J'aime bien cet effet, ce papier là. Donc là aussi, donc 15 par 15. Il y a 6 designs et donc voilà, là c'est au rayon Noël. Ensuite j'ai pris 3 livres de la marque DecoTime. Vous savez, c'est les 3D livres de Noël avec des paillettes, donc pour faire des cartes, des jolies cartes comme ceci derrière. Voilà, donc j'ai pris celui-ci. Ça c'était à 1,06€ je pense. J'ai pris celui-ci qui est vraiment traditionnel. Voilà. Et j'ai pris celui-ci, dans les tons quand même assez traditionnel aussi. Voilà, avec le hibou, le renne et tout ça. Et j'ai trouvé aussi des miroirs carton gaufrés. Il y a des feuilles, vous voyez, avec des effets dessus. Alors là c'est des étoiles, d'ailleurs on le voit super bien la caméra comparée à d'habitude. Voilà, et donc il y a toutes ces couleurs et toutes ces designs, on va dire. Voilà, et donc c'est des feuilles en A4. Ça a l'air très très bien.
Et j'ai pris la même chose, mais ils ont moins d'effet. C'est plus la couleur, là. Vous voyez. Voilà. On va y arriver. On va toucher la fer. Et quand je vous disais que j'en avais pris deux. Je me suis, parce que ça faisait un moment que je ne voyais plus, je me suis dit, ça y est, ils en ont sorti qu'un et il n'y en aura pas d'autre. Non. Tadam ! J'ai trouvé trois carnets de 72 mandalas. Donc il y en a un bleu et orange, un jaune et rose, et l'autre vert et jaune. Je vais m'éclater. Ils sont trop beaux en plus. Franchement, mais nickel chrome. On s'est pris ça pour les toilettes. Ça sent à travers, ça sent bon, hein, franchement. Donc de la marque Bref. Donc un power active senteur océan. Il y a quatre fonctions. Allez, on va tester. On a pris pour les jouets de la petite des petites piles comme ceci, la Philips. Des 1,4 volts. Donc ça, c'est les dernières choses en loisirs créatifs. Donc je me suis pris ces diamants stickers. Donc voilà, comme ceci, donc de ces deux teintes. C'est la première fois que j'en prends, je prenais des trucs 3D là, mais pas ça. Ceux-là, je les ai trouvés super sympas, avec quand même, il y a du love, merci. Et j'en ai retrouvé, je ne savais plus si je les avais, j'ai dit au pire, je les rends, ce n'est pas un souci. Celui-là, non, je ne l'avais pas. Voilà, il est très joli. Donc de la marque toujours Déco Time, mais hein, là-bas... C'est comme ça, Action. Voilà, il y a celui-ci. Et enfin, celui-ci. Voilà. Donc de la gamme Love Life. Donc là, c'est le Body Scrub. Donc je l'ai pris en rose. J'ai dit en cas qu'il y a eu, après ça y soit plus. En bleu. Et un violet. Donc le sur le, parce qu'il n'y a pas marqué la même chose sur chacun. Donc là il y a marqué Darling Stay in Your Magic. Excusez-moi pour mon anglais encore une fois. Là il y a marqué All of Me Loves All of You. Voilà. Et là il y a marqué I Just Want You to Be Happy and Make. On y évolue. Donc il y a 150 ml donc. Pour chacun, donc j'ai de quoi frictionner le corps pour enlever les peaux mortes. Ensuite, donc, alors ça c'est très bien parce que moi, comme je vous ai déjà dit, pour mes mains sèches, ben voilà. Hein. Donc j'ai trouvé les petites crèmes pour les mains. Et ça super mignon quoi. Et donc du coup là, pareil, j'ai pris les trois. Donc la rose c'est très cute, la bleue c'est Good Vibes Only. Voilà. Et la violette, c'est Pretty Sexy 5. Donc, c'est un flacon pompe de la marque Elisa Jones Active Skin Solution. Donc, c'est un émaquillant pour le visage qui nettoie efficacement tous les types de peau. Bien. Et c'est un flacon de 200 ml. Et enfin, pour finir, alors je me suis pris de la marque Max & More un concealer, donc de la teinte light beige, voilà comme ceci. Donc vous savez, ça se, je vais vous montrer, vous l'avez vu dans d'autres hauls, ça se présente comme ceci, voilà. Et donc il faut tourner et normalement il y a le produit qui sort et après vous n'avez plus qu'à. Le passé, voilà, voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire? Est-ce que je peux 1,8 g, voilà. J'ai voulu tester le pinceau de la marque Max & More, celui-ci là, le pinceau poudre. Donc à voir, il a un petit cache pour le fermer. J'ai dit pour le prendre dans le sac à main, ça peut être sympa, ça aussi. Et enfin, donc je ne l'avais jamais vu jusque-là, ce sont des palettes. Hein. Voilà. Donc une, c'est la Rich Color Face palette, donc de 28 grammes. Et l'autre, la Shape and Blush palette. Voilà, donc c'est de la marque Your Makeup Collection. Voilà, je ne connaissais pas, je ne l'avais jamais vu. Et donc j'ai dit, pour le prix là aussi, je vais les prendre. Ça me sympa. Voilà, voilà. Regardez, je mets de plus près.
Et voilà. Eh bien, écoutez, je pense... Oh, pardon. Non, non, ce hall n'est pas terminé. Le Saint Graal. J'ai trouvé, je l'ai cherché depuis un petit moment. Je la voyais dans tous les halls. Je la voyais dans différentes couleurs, mais pas celle que je voulais. Ma lanterne rose gold. Elle est trop, trop magnifique. Je la kiffe, mais c'est un truc de fou. Elle est trop belle. Trop, trop belle. Alors, je pense que là, pour les fêtes, on va y mettre quelque chose, une déco de Noël. Mais après, elle atterrira dans notre chambre, là, avec, enfin, voilà, pour faire vraiment effet cocooning. Donc, du coup, d'ailleurs, je pense que je vous tournerai la vidéo du room tour de notre chambre après les fêtes. Ça sera plus simple. Comme ça, j'aurai eu le temps de la mettre, la titine, là, dans la chambre, enfin voilà, de faire le petit cocon et de vous montrer après notre cocon à nous et mon mari. Voilà. Et bien écoutez, sur ce, cette fois-ci, c'est bon. Cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça fait extrêmement plaisir. À mettre un petit commentaire, je répondrai, je réponds toujours avec une joie certaine, c'est très agréable d'avoir des petits commentaires, même juste pour dire ben, coucou ma belle, voilà, je suis passée. Voilà, on sait que ben, quelqu'un nous a vu ce jour-là. Voilà. Je remercie encore une fois mes abonnés pour votre fidélité, pour vos petits commentaires justement. N'hésitez pas voilà, à continuer, à liker, à commenter, à chaque fois en barre d'infos, je mets mon Facebook, mon Instagram, donc n'hésitez pas à me suivre là aussi. Et ben, pour ceux qui ne le sont pas encore, je vous invite à vous abonner, ça agrandira ma grande famille YouTube. Et voilà, et ben, écoutez, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à plus. Bye bye.